Hello. Aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Je crois que j'ai encore failli en chute. Il faut que je prenne le temps de me reposer convenablement et puis on verra. Parce qu'en fait, ce qui a juste essayé de me dire mon médecin, c'est que t'es fatiguée. Il faut dormir, il faut te reposer. Donc là je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai dormi pourtant, mais je suis encore fatiguée. Je sens que je suis encore fatiguée. Et il va falloir que je fasse quelque chose. Bref, entre temps, là, ça va faire bientôt un mois. On va bientôt faire plus ou moins plus cher, ne sais pas laver. Bien que c'est vrai que passe les journées à l'intérieur, commence à sentir mauvais. Donc je vais aller lui donner un bain. On a acheté un nouveau shampoing que je vais tester. Mon attention est loin, c'est à cause de madame. Madame, dis bonjour. Non, là-bas. Donnez ton bain. Tu vas te laver. Ouais, la nettoyer, il faut la bribe. D'abord lui donner des caresses. Hein? Comme ça ici, je mets ça là. C'est le shampoing que je vais utiliser. C'est le shampoing. Je vais commencer par la brosser d'abord pour enlever le maximum de nœuds. Et ensuite, on va passer à ça. Sèche beaucoup plus vite, mais aujourd'hui je sais pas pourquoi est-ce que j'ai du mal à la sécher. Je pourrais la brosser après, mais au moins il faut qu'elle soit complètement sèche. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Ça va faire plusieurs jours que j'ai pas vlogué. Aujourd'hui on est lundi, début de semaine. Et j'essaie en fait de reprendre le cap. C'est bon, je suis un peu plus requinquée. Je vais montrer un peu ma routine de début de semaine. Quelque chose que j'essaie de continuer à tenir maintenant, même si maintenant je suis en pause boulot, mais que j'essaie de tenir. Donc je vais vous emmener avec moi en fait pour comment est-ce que j'essaie de planifier mes semaines pour m'occuper. Mais après, c'est à peu près la même base pour comment est-ce que je planifie mes semaines quand je travaille. Déjà, ce que je commence à faire, c'est déjà. J'ai un planeur comme ça. Weekly planner. Dedans j'ai tout ce qu'il faut pour ma semaine. Donc j'ai inscrit en fait tout ce que je veux pouvoir faire, les objectifs de la semaine, les tâches et tout. Comme ça en fait j'ai une meilleure idée de ce que je vais faire. Pour être productive, étant donné que j'ai souvent plusieurs idées, des choses qui bouillonnent dans ma tête. En fait ma tête est toujours en ébullition. J'ai toujours beaucoup d'idées, des choses que je veux faire, des choses que je peux faire. Mais généralement après je me perds, je sais pas s'il y a des gens comme ça ici, mais après je me perds tellement il y a d'idées, tellement il y a de choses que je fais faire des choses qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que je dois faire. Donc pour essayer de me canaliser, j'écris. Avant je faisais sur Notion, j'ai utilisé Notion, mais ça n'a pas tenu longtemps. Il y avait trop de choses en fait à faire sur Notion, il y a trop de tableaux à écrire, à créer et tout. C'est vrai qu'il y avait des templates, mais les templates ne marchaient pas. J'ai passé tellement de temps en fait à essayer de construire que ça marchait pas. Après j'ai utilisé mon agenda normal sur mon iPhone pour essayer de planifier les rendez-vous et tout le truc. C'est bon, mais c'est pas bon. Genre j'avais mon téléphone et dès que j'avais une notification, je passais à autre chose. Je suis revenue à la base, c'est le papier. J'ai toujours aimé les agendas. Les agendas, j'en ai depuis l'université. Quand j'ai découvert les agendas, après moi, j'ai plus arrêté. J'ai toujours aimé avoir des agendas. Ça me permet d'avoir ma to-do list et tout. Et le fait d'écrire, ça matérialise un peu plus la chose. Je commençais déjà par planifier ma journée, planifier ma semaine, ensuite savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et puis me lancer pour la journée. Thank you.
J'ai fini de planifier toute ma semaine, j'ai fini de tout en faisant garder quelques vides pour certains jours parce qu'il peut arriver des choses et qu'il faut que j'ai quand même du temps pour pouvoir faire certaines choses sans pour autant me stresser. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est vraiment light. On va commencer la journée. Voilà. Des pains au chocolat. 5 pains au raisin, 600. Je vais prendre donc 2 pains au raisin, 2 pains au chocolat. À combien vous faites le flan? 500. Un flan aussi. Forum, c'est pour rencontrer aussi les gens qui sont dans le domaine du numérique. Madame, au quotidien, tout ce que vous faites, quels sont vos deux plus grands défis que vous avez? Alors, pour ma part, le premier défi auquel je fais souvent face, c'est l'évolution du numérique. Alors c'est un univers qui évolue tous les jours. Ce premier rebond, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, dans l'univers francophone, il n'y avait pas beaucoup de solutions de ce genre. Il y en a à peu près. Il y en a deux en France. Il y a une qui s'appelle ordali.ai et il y en a une qui s'appelle LegiGPT. Et il y a peut-être quelques cabinets qui commencent à s'intéresser pour avoir des solutions propriétaires des solutions spécifiques pour ces cabinets. Nous avons créé notre solution et cette solution, nous l'avons appelée Freddy. Freddy, pourquoi? Freddy, parce que quand je suis devenu avocat, mon premier patron s'appelle Alfred Derrida, puisqu'il a pris sa retraite, et son petit nom, c'était Freddy. Donc, ça a été un peu comme un clin d'œil à Maître Alfred Derrida que j'ai fait et j'ai donné comme nom à cette solution, Freddy. Est-ce que, voilà, Freddy, vous avez ici son avatar, il a changé, ça c'est Freddy 2.1, il y a 2.2, il a changé l'avatar. Mais Freddy fonctionne comme un avocat à qui vous posez des questions. Vous lui posez une question sur une décision de justice, faites-moi un résumé de telle décision, il va aller la chercher dans son domaine, il va vous faire un résumé. La dernière requête que je lui ai faite ce matin avant d'arriver, c'est que j'étais sur un dossier et je lui ai demandé de me faire un mémo sur le principe de la continuité du pourvoi en cassation entre la Cour suprême du Congo et la CCJA
il nous a donné un mémo. Alors, qui a une question, hein, n'importe laquelle, qu'on va poser à Freddy. Contrat, ou qu'est-ce qu'un contrat partenariat public-privé? Freddy vient de vous répondre. Qu'est-ce qu'un contrat partenariat public-privé? Et la particularité, allez-y à la fin de sa réponse, c'est qu'il vous donne ses sources, ce qui vous permet de contrôler l'exactitude de sa réponse. Pour dire que Freddy répond en fonction des textes à jour jusqu'à telle date, par exemple. Et en termes de responsabilité, nous avons prévu, vous allez voir que Freddy, quand il répond, à la fin, il vous dit toujours allez voir un avocat. Pourquoi? Parce que Freddy est peut-être expert, mais il n'est pas avocat. Et pour des questions de responsabilité, il vous renvoie toujours à aller voir un avocat. Nous avons été invités pour le mois d'octobre à Paris, à la maison du barreau, où nous allons présenter Freddy, le premier chatbot, le premier legal chatbot africain. Voilà. Merci. Je vous remercie. Aube. Bonjour Aube. Bonjour. Bonjour. On est au Digiforum. On va d'abord manger. Ah, on va manger.